Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre longue route. Donc le claqueur est sur la droite alors qu'on s'était quitté sur la gauche. C'est juste que j'ai le volume encore un peu trop fort. Ouais, j'avais le volume un peu trop élevé et Jérôme y pose, mais il s'est rien passé de plus. Il a juste déplacé sa carcasse de chou-fleur pueur de claqueur de la merde, comme disait Ellie. D'accord, Ellie, elle lui a carrément jeté une bouteille. Oh oh. Qu'est-ce que t'as fait, Ellie? Pourquoi tu lui as fait ça? Ah là! Claqueur de mes... Oh non! Ah mince, je me rappelais pas de ça. D'accord. Mais... Ok, moi qui voulais mourir un minimum dans... en vidéo... Bon, bah, on va le passer sans le tuer. Ça sera mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. Va là-bas. Parce que je crois que le truc pour monter, il est juste derrière lui. Allez, t'as entendu? C'est bien. Là, il y a des choses. Donc, le fait d'allumer la lampe torche avec lui, ça change pas grand-chose puisqu'il est aveugle. D'accord, la poubelle. Ouais, je vais reprendre une brique au cas où. Ouais, l'échafaudage. Non. Va là-bas. Va chercher. Allez. Tiens, une bouteille en plus au cas où. Regarde, là-bas. Parfait. Et on va monter. Ah bah, c'est bon. Je vois que vous m'avez pas trop attendu, hein. D'accord, il voulait pas monter, il m'a fait un peu peur. La 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 la. Ouais, deuxième épisode. C'est bon. Ellie, tout va bien? À part que je me suis pissé dessus. Ah. Ça va. D'accord, tu fais des trucs bizarres, des glissades aussi, Ellie. Ouais, deuxième épisode que j'enregistre juste après le premier. Et... Ouais, ça va être par là. Juste une minute. Just one minute, please. Je prends le pistolet parce que... Avec eux, mais je... Tu veux faire du bruit? Ok. C'était parfait. Allez. Mais je crois qu'on peut les tuer, mais c'est avec le surenjeu. Au corps à corps, normalement, on peut. Le courrier est bloqué. Regardez en bas. T'es sérieux? Tu veux que je regarde en bas? Oh, je le sens trop fort, je préfère baisser parce que je risque d'avoir peur et de sursauter comme un idiot. Alors. Ouais, il faut qu'on aille là-bas. Ok. J'ai un mauvais pressentiment. Cours, Ellie! Go. C'est bon. Ouais. Je vais peut-être sortir mon pistolet aussi. La mienne, ouais, elle était abîmée. Il ne restait que deux points. Deux points de vie après, elle meurt. Oh! Nouvelle arme, revolver. D'accord. Vous pouvez porter... D'accord. Ok. Ouais. Ouais, mais je vais garder quand même celle-là. J'ai plus de balles. Et... Ah d'accord. Tu veux que je prenne l'autre? C'est bon? T'es content? Des coureurs. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Ouais, je peux descendre par là. Faites voir à quoi ils ressemblent les coureurs.
Ah, il y en a plein. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est un peu... Les couleurs sont un peu ternes. J'ai peut-être trop augmenté la luminosité tout à l'heure. Pourtant, j'ai augmenté que d'un cran. Ouais. Je sais que des passages comme ça, j'ai eu un peu de difficulté quand même. J'ai eu un peu de difficulté. On va tenter. Hein. On va tenter. Ouais, mon surin, je le garde. En fait, ceux qui sont pas humains, ils ont pas de bonnet. Non, je suis pas là. Je serre les fesses. Gentil. Ouais. Pouh. Non, ça j'en veux pas. J'ai une barre de bien plus performante. La vie. J'ai de la vie. J'ai dit que j'ai de la vie. Mais au cas où, c'est bien de savoir que je peux récupérer si besoin ici. Doucement. 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 Le coureur. Oh, il m'a repéré. Allez, viens. 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 Vous m'avez tous repéré, c'est ça? D'accord. Je suis là, tu l'as repéré aussi. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, je t'ai dit. Lâche-moi. Allez, tire. Mais tire. Mais non! Maman! J'ai tiré! Vas-y, vas-y! Mais! Oh punaise, pour l'instant, la visée, c'est que mon personnage, il est pas assez. Regardez, là, je bouge pas le joystick. Et ça tangue dans tous les sens, ce qui est normal. Hein. J'en veux pas du tout. Allez! Die! Mais taille, taille, non, non, je vais faire bouffer, mais non. Oh là là. Bon. Pourtant, j'ai un surin. On va faire ça différemment. Et ton pistolet, j'en veux pas, il est pourri, il met trop de temps avant de retirer une balle. Donc ça... Non. Ça, ça. Voilà. C'est bon. Ok. Je savais que j'allais mourir, mais pas autant de fois. Ça fait déjà deux fois en début de vidéo là. Lui, ça va être un peu problématique. Je vais essayer de me refaire comme tout à l'heure. Ah mince, il est parti. Ah mais c'est... Ça a pas été évident. Ok. Désolé, je parle pas, je suis vraiment concentré. Ah, faut pas que j'oublie qu'il y a de la vie ici. Je crois que j'avais vu des balles tout à l'heure. Peut-être sur le cadavre qui était là-bas. Je crois qu'il y a des balles en face. Comment je peux faire ?
Allez, allez, allez. Non! Vous m'avez pas repéré. Si vous m'avez repéré. Non, J'ai appuyé. J'en ai marre, j'ai appuyé. Allez! Calme-toi, respire. Voilà. T'es encore vivant? T'es sûr? Ok, descendez. J'ai encore mal joué. En plus, faut pas que j'oublie que je peux faire demi-tour comme ça. Bon, toi, t'as des balles. Ouais. Tirons-nous d'ici. Oh, j'ai utilisé trop de balles. Je suis déçu. Ah non, j'ai toute ma vie. Pourtant, il m'a... Ah, il doit... D'accord, il doit manger la nourriture. Je m'en rappelle plus, j'ai fait l'année dernière, j'ai déjà oublié. On est plein. D'accord. Vous allez où, là? C'est en haut, non? Moi, je fais tout sans zèle. Non, tu peux lâcher. Ok, test, go. Ah non, en fait, il me maintient, d'accord. Ok. On est échappé belle, hein. C'était pas super évident. Ça passe bien. Ouais. Ouais, parle pour toi. Parle pour toi. Wow. On descend. C'est bon, on peut y aller. Ouais, par la gauche. On peut passer là. Attention. Bon, bah j'ai eu un petit peu la pression. C'est quoi qu'on entend? C'est un pigeon? Suivez-moi. Il a trouvé le chemin. Quand on aura récupéré les armes, on pourrait peut-être souffler un peu. Mais c'est pas faux. Tu veux souffler un peu? Hey, c'est toi qui parles tout le temps de se mettre au vert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Bon, pas cette fois. J'attends de le voir pour le croire. Rien à ramasser. Bon. Bonjour le cadavre. Faites comme si j'étais pas là. Je vais me prendre juste une petite douche. Et encore une fois, eh ben j'ai pas de balles. C'est bien, hein. J'ai jamais de balle. Non, rien. Ok. Par ici. Ah. Hop. Je vais confectionner. J'arrive. 2 secondes. 2 secondes. C'est ça qu'il faudra que je fasse en priorité. Quoique, je sais pas si ça sera la priorité, mais stabilisation de l'arme, ça pourrait m'être fort utile.
Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Tout va bien se passer. Les cocktails Molotov. Et maintenant, je vais pouvoir en créer pour tuer plusieurs ennemis d'un coup. Yeah. D'accord. Ah d'accord, ouais. C'est soit la vie, soit les cocktails. J'hésite. Ah mince, je voulais voir si ça faisait de la lumière. On ne pourra pas passer par là. J'essaie de faire des dialogues dans le jeu. Et vu que je bégaye, ça rend pas bien. Fille, 1m62, 14 ans, rousse. Ils viennent de la zone de quarantaine. Je vois pas de qui vous parlez. C'est pas nos types. Je ne vois pas de quelle fille vous parlez. Ah. Par ici, tu les vois ? Merde. On va utiliser le cocktail ou pas ? On est presque sortis. Ok, Joël, passe devant. Je couvre nos arrières. Ellie, quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ouvre l'œil. Ça marche. Même accroupi, d'accord. Ok. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est un apprentissage pour moi, vu que le jeu, je l'ai fait il y a un an, et j'ai fait tellement d'autres jeux depuis, que je suis obligé de apprendre tout le gameplay. Doucement. Gentil claqueur. Oula. Il est énervé lui. Ah, c'est un claqueur aussi. Wait. Réfléchissons tranquillement. Rien ne sert de se presser. On n'est pas pressé. Avec la bouteille à la main, je risque pas de faire grand chose. Moi, je préfère avoir le pistolet si ça vous dérange pas. Et je vais très certainement passer à côté de plein d'éléments. Mais c'est, je m'en fous. Je m'en fous. Ça arrive derrière nous. Il y en a un là, il y en a. Oh, il y en a. C'est par où la sortie? Peut-être par là. Parce que là-bas. J'allume pas ma lampe torche parce qu'il y avait un zombie qui. Enfin, un infecté qui mangeait par terre, donc lui avait peut-être des yeux. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, je peux allumer pour vous puissiez. Non, je peux pas allumer. Mince, attendez, j'ai tiré mon casque. Je vérifie que tout fonctionne. Ouais. Est-ce que je me retrouverai comme un idiot. Allez, on peut le faire. Non, je veux pas mourir. Je suis trop vieux. La combinaison. Va là-bas. Je sais plus, je l'avais trouvé en plus dans ma première partie. Ouah, non. Non! Je suis trop nul!
Ça me gonfle d'être aussi nul, je veux mieux que ça, ma première tentative, c'est dingue. Enfin, ma première fois que j'ai joué au jeu. Allez, faut que ça passe. Faut que ça... C'est un peu risqué là ce que je vais faire. L'horreur, putain. Tu me l'as dit. Je suis suivi. J'ai aucune chance de survie. L'autre elle passe avec sa lampe torche à côté de... D'accord, il n'y a rien. En plus on dirait vraiment un humain qui pleure quoi. C'est... Ah, il y a un truc là. Et la sortie elle est où? Elle est en haut. C'est presque terminé. En fait, ouais, c'était par là le chemin. Bon, la combinaison, elle devait être dans le supermarché sur la gauche où il y avait l'autre qui mangeait. Ou peut-être ici, mais là, je vois pas trop. Comment je peux faire? Bon, après quelques minutes à réfléchir, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Sachant que maintenant. On sait que la sortie est ici. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans parce que je me rappelle, enfin je crois que sur PS3 j'avais trouvé ce qu'il y avait dedans. Tu l'as dit, j'ai cru entendre un autre son de d'infecté derrière moi. Ah, un de moins, je suis content. Des bouteilles, un moins, il en reste tellement. Petit. Allez, doucement. Non, ils font un bruit à la fin, on a l'impression qu'on se fait attaquer encore. Il y a un truc. Je me rappelle plus vraiment, mais je crois que on pouvait lancer une bouteille sur eux, ce qui les étourdissait pendant quelques secondes, et ensuite se battre avec des armes. Faudrait que j'essaye. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'essayer finalement. Parce que là, je peux lui lancer tout de suite dans sa tronche. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Allez. Ouais. Il m'en reste plus beaucoup. Ah, j'ai plus de... Je vais en créer un autre. D'accord. Il reste combien de claqueurs? J'aimerais bien essayer la bouteille. J'ai le cocktail au pire. Non. Je me suis gouré de touche. Petit. Oh, t'es un gentil claqueur, hein. Ouais, t'es un gentil claqueur. J'ai peur de prendre... On va faire un truc. On va recharger ça. On va faire ça. Que j'aimerais bien lui lancer dans la tronche pour l'étourdir. On essaye ou pas? On essaye. Ouais, j'ai réussi. Mais je suis pas sorti de l'auberge. Allez, venez. Mais si je me remets accroupi. T'es qui? Ouais, c'était Ellie. Je vais garder mes balles.
Vas-y, finis. Non. Non. Allez, viens te battre, viens te battre. Ah ouais, c'est pas faux. Ah, mon arme, elle est bien abîmée. Il en reste un là-bas maintenant. Bah, celui qui était à l'échelle. Est-ce que c'était ici le mot de passe? Que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ah, de la vie. Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Ah bah non, c'est celle qui est par terre. Allez, dites-moi qu'il est là. Et... yeah! Note de Derek. Derek! Yeah! Bon bah... cool! Je suis heureux. A priori, il ne doit rester plus que... un claqueur. Celui qui a l'échelle, mais je crois qu'il y avait quand même... non, non, non. Il y avait quand même... il restait un ennemi, pardon, à côté du coffre. Ouais, il restait lui. On va refaire mon truc de tout à l'heure. Parfait, en plus. Yeah! Jackpot! Oh mince, mince. Mince, 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 mince. Non, non. Tu vas pas tout gâcher, hein. Tu gâches pas tout, hein. D'accord? Je vous l'éclaire, comme ça vous pouvez voir sa tronche. Sa tronche qu'il a toujours, d'ailleurs. Moi, pas prendre de risque. Je prends plus de risque, maintenant. Bon, a priori, ça devait être... là, il y avait rien tout à l'heure. Ouais. Ça devait être celui qui était à l'échelle... on va voir ça. Comment il a fait pour entendre? Ouais, c'est celui qui était à l'échelle. Ah, cool. Allez, let's go. Ok, allez. Allez, allez. On sait jamais. Ce qui peut très bien arriver, le temps que je monte l'échelle... ah, je suis content. Mais c'est pas fini. Oh putain, on a réussi. Ah bah. Tout le monde va bien? Ouais, allons-y. Il pleut toujours. Vous vous débrouillez plutôt bien tous les deux. Un petit peu. C'est de la chance. Ouais. Et ça ne va pas durer. C'est quoi l'immeuble? Oh non, c'est pas... je cherche le Capitole. C'est par où, Tess? Le Capitole est dans cette direction. Ok. Je vais quand même inspecter les lieux. Ah. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. On va être obligé d'aller dans le bâtiment et de se frotter avec nos amis. Ouais. Comment je peux faire ? Comme ça, comme ça. Un de moins. Oh oh. Et l'autre, regardez. Coucou. Je fais tout tomber. Drum dum dum. Je me promène. En plus, ça me fait peur avancer vers moi avec son arme. Prends exemple sur Ellie. C'est dingue. Rien à faire. Coucou. Coucou. C'est bien fait l'ombre en plus de la chaise. Ah, allez, viens. Viens, viens, viens. T'as un gilet pare-balles?
Je préfère m'attraquer. Oh, ça c'est une mauvaise idée. Poussez-vous, aidez-moi. Je suis suivi. Poussez-vous, aidez-moi. Je crois que je suis suivi, mais je suis pas sûr. Moi, je préfère appuyer, même si j'ai bien vu que j'appuyais largement en avance sur l'arme pour. Oh mince, mince. Attention, stabilisation. Voilà. Oh, mais c'est dingue. Voilà, utiliser encore mes balles. Ouais, je sais que j'appuyais largement avant sur le bouton de coup de poing, mais je préfère appuyer plein de fois avant et pas me faire surprendre. Ces soldats viennent de se transformer. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages. On se tire. Bon, les situations, on les gère pas de la bonne façon, mais pour l'instant, on s'en sort un petit peu. L'autre, elle fait tout tomber ici. À moi, à moi. Hop. Ça, c'est fait. Compétences. J'en ai toujours que 15. J'en avais pas ramassé. Ah, j'en ai ramassé 10, c'est ça. Punaise. Et... Ouais. On fait quoi ? C'est très beau. On fait quoi? Comment est-ce que tu veux que je passe? Non. Il doit y avoir une benne ou un truc comme ça dans le coin. En même temps, j'en profite comme d'habitude pour... On est arrivé par là, je me rappelle plus. De toute manière, je ne peux pas descendre. Donc c'est pas par là. La mince alors. Ok. En tout cas, c'est superbe. Vraiment bien réalisé les environnements, là, les décors. Bah mince, je suis aveugle. C'est forcément là-dedans s'il y avait des zombies. C'est parti. D'accord. J'aurais dû m'en douter. Pardon les cadavres, vous me gênez. Ouais. Et... Ok. Moi d'abord. Pour une fois que je peux passer avant. Ellie, ah ouais. C'est bon, t'as pas besoin de nous? Si? Non, c'est bon. Bon. Let's go. Ouais, il y a une sacrée ambiance. Il y a une sacrée ambiance de psychopathe. Allez. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Ils arrivent. Je sais. Okay. Ouais. Allez. T'as un truc sur ta chaussure. C'est à la mode. Bien. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Ah. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Pour améliorer.
Tu es dans un endroit non autorisé pour tomber sur des affectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur ? Ouais, pour explorer la ville. Attendez, faut que je trouve ma manette. J'étais quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entrée ? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. C'était avec Marlène quand tu t'es mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. Ok. Capacité du chargeur. Je vais pas tout dépenser, je vais garder le reste. Pour que ça devrait nous aider. Il y avait rien d'autre à faire ? Désolé. Donc ouais, ok. Et je crois que c'est par là. Moi en fait quand la lampe torche fonctionne plus, fallait déjà secouer la manette sur PS3 et c'est encore le cas. On va utiliser un peu ce pistolet même si je l'ai pas amélioré. Chose que j'aurais peut-être dû. Juste augmenter la cadence de tir. Alors, quelle porte après vous ? Ouais. Et... ouais. Ah ah. Donne-moi ça. 10h10. Ouais. Ouais, c'est dingue les intérieurs. Toujours aussi. Oh, le fond. Ah ouais. Désolé, c'était moi. Désolé. Ça, je m'en souviens quand j'avais joué en... encore une fois l'année dernière. J'étais à côté du vase et je l'ai vu le faire tomber. Et je crois que c'était vraiment un mouvement assez grotesque. Parce que je regardais le vase et j'ai fait oh le vase. Et après, je l'ai vu le casser. Oh merde. Ouais. C'est quoi cet endroit ? C'est un ancien musée. Certains trucs ont des centaines d'années. Sérieux ? Waouh. Ça fait flipper aussi. C'est très flippant. Est-ce que je peux pas augmenter un peu ma sensibilité, moi ? Non, je vais laisser comme ça pour l'instant. Ouais, les musées, déjà dans Uncharted 3, ils avaient fait des musées, ils aiment bien ça, Naughty Dog. Ok, attention à la tête. Et vite, go, go, go. Joël ! Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess ! Go ! Go ! Merde ! Oh oh. Oh oh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tess. Ah, ça me gratte la tête. Je vais t'éliminer. J'avais pas rechargé mon arme tout à l'heure. Vite, 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 vite. C'est maintenant. Maintenant. Là, je peux l'éclairer, lui. Ça pose pas trop de problèmes. Il y a l'autre qui va arriver. Oh, c'est que... oh, punaise. Mamma mia! Vous sentez cette atmosphère pesante? Bah, je la sens très bien. Je
Je la sens même beaucoup trop bien. J'ai rien à jeter. Finaise. Allez, viens. Viens. Je vais essayer mon cocktail un moment. Où est-ce que tu vas aller? Forcément, tu vas venir où je suis, hein. Non? Allez. Et là, faut que je marche plus doucement. En fait, faut que je marche vraiment plus lentement qu'à la normale, sinon ils nous entendent. Par contre, là, ça serait bien de faire vite parce que... Il y a l'autre qui est pas loin. Le troisième et je crois le dernier. Ouais, voilà. Je crois que c'est le dernier. Et après, on pourra regarder l'intérieur. Tranquillement. Ouais. Je préfère prendre mon pistolet quand même. Ouais. T'as failli m'avoir, hein. T'as failli m'avoir. Non. Oh non. Là, ça va être juste. Je vais avoir une seconde pour arriver dans son dos. Je suis même pas sûr d'avoir le temps. Maintenant! Non! Oh punaise! Non! Non! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? C'est une blague! Comment? Ah, c'est le trackpad, j'ai appuyé dessus. J'ai eu peur. Ça fait peur. Imaginez, là c'est un jeu d'infecté, mais d'un seul coup ils se mettent à sortir et cassent la vitre. Je vais secouer la manette. Non, ils me disent pas. Donc tant qu'ils me le disent pas. Oh là là. J'ai eu un coup de stress encore. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est ça. Rien à ramasser. Non, c'est bon. Ah, c'est là qu'elles étaient, Ellie. Je crois qu'elles étaient de ce côté-là, les deux. Ah, vu que le bois, il est tombé. Je vais juste faire une petite pause, le temps de... De boire un truc. Parce que là je suis à fond, là je suis à fond. Sur un max nécessaire. Bah attendez, je vais faire ça. Et la lampe torche, oui. Avec le bruit des piles. Voilà. Ok. Généralement ce qui est dedans, on récupère assez d'éléments pour refaire un autre sur. Hein. Tiens, moi je vais faire un autre cocktail. Comme ça, hop, hop. Parfait, et... Jackpot! Oui! Les chaises et tout, ouais, c'est excellent. Ouais, je fais une petite pause, le temps de boire. A tout de suite. On est reparti. Ça va mieux. En plus, ils me donnent faim, eux. Vous me donnez faim. Donc, ouais, on avait ouvert ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller... Oh, en plus, les pièces, on peut les voir. On peut voir l'intérieur, histoire de vous frustrer un maximum si vous n'avez pas les éléments requis pour ouvrir la porte. Ouais. Rien en bas. Oula. Non. Pose cette bouteille. On voit que le mur, il est juste... Il y a un papier peint collé à 2 cm.
Ouais, là c'est indispensable la lampe. Ah. Je sais pas si vous entendez, mais ça tape en haut. Papa est en haut. Qui tue des claqueurs? Je sais plus si c'est claqueur ou craqueur, à chaque fois j'oublie. Qu'est-ce que tu fais? T'énerve pas. Faut rester cool, mec. Hein? Ça a pas l'air d'aller bien pour toi. Et là, ça va pas aller beaucoup mieux. Encore? Attendez, moi je reprends au cas où mon arme. Ouais. Deux secondes. Oh punaise, j'ai pas deux secondes. Non mais ils sont trop nombreux là. Ok. Non, pas la peine. Pas la peine. J'ai dit pas la peine. On va faire un truc. On va jouer à un jeu. Et maintenant, cours sur tes copains. Allez. Ah, je crois vraiment que je vais augmenter ma sensibilité par contre. Eh hey. Viens, viens, viens. Ok. Elle rigole pas. Vas-y Ellie, montre-lui ce que t'as dans le ventre. Allez viens. Je vais garder mes balles. Ah, toi aussi t'en veux. My Tyson. Quoi vous... Mais y'en a combien? Mais c'est normal qu'il y en ait autant. Attends, je recharge. Casse-toi, c'est pas du juste. C'est pas du juste. C'était bien trop juste. Ah, c'était bien trop juste. Je sais que ça se dit pas, c'est pas du juste, mais ça m'a fait rire. Ok. Ouais. Tiens, j'en ai marre. Non, personne pour me donner des munitions ou un truc qui pourrait être cool. Oh merde. D'accord. Bon, bah on va faire avec, hein. Oh, qu'est-ce que vous faites? Ah, je sais pas si c'était normal qu'ils arrivent tous d'un coup. Là, c'était un moment de... qui devait pas être des plus simples. J'ai eu un peu de chance. J'ai lancé un cocktail n'importe comment. Et... mais c'était marrant. Mais ce qui va être plus drôle, c'est de faire ça. Ça. Je... non, commande. Hop. Je vois même pas jusqu'à où ça peut aller. On va mettre 2. C'est quoi ça? Inversé. Ouais, non, c'est bien. Et là. Tu te moques de moi, là? C'est plus rapide? Ouais, mais après, ça... ouais, bon. Faut juste que j'oublie pas qu'on peut faire des demi-tours. Bon, tout s'est bien passé. C'était vachement rigolo. Non, je veux parler. Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflé. Par ici, ça nous mènera au toit. Et toi, petite? Tout va bien? Qu'est-ce que t'entends par bien? Tu respires encore? Ça compte, les respirations paniquées? Ouais, ça compte. Ok. Alors je vais bien. Pardon, il y avait mon chat. Yeah. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'impression de... d'une journée continue, il fait nuit, il pleut, après la pluie s'arrête, et là le soleil commence à se lever. Et on a toujours l'impression d'être à une borne. En même temps, à la vitesse à laquelle on passe d'immeuble en immeuble, tu m'étonnes que ça prenne pas mal de temps. Puisqu'on fait les immeubles de haut en bas. Oui, je sais, j'ai vu. Mais laisse-moi regarder.
faire une petite photo de famille. Hey. Il y a un mode photo, ça marche comment ça? Ah, c'est comme ça. Yeah. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, et je vais quand même le désactiver parce que je suis capable d'appuyer sur le bouton. C'est le pad de gauche pour ceux qui veulent savoir. Poussez-vous. Donc là, c'est les deux immeubles de tout à l'heure où ils ont expliqué qu'il y a une explosion qui est arrivée. Et pas zéro. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hey, je suis d'accord avec la vue. Et là, il pense à sa fille, vu qu'il regarde la montre et... Donc bien sûr, il y a un attachement. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Faut resserrer les boulons de l'échelle. Juste derrière. Allez. Oh. Ne t'arrête pas. On a bien avancé. Faudrait qu'il fasse plus souvent des passages comme ça qui sautent la moitié du trajet. Rien. Va falloir monter, chercher la benne. D'abord, je vais chercher... Merci, regarde mon ça. Copain. Il a le symbole des lucioles sur le bras. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts? Ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Ah ouais, ok. Écoute, tout va bien se passer. Ok. D'accord. Il le faut. La survie du monde en dépend. Tiens, vilain à la benne. Vous voulez monter? Tu veux pas? D'accord. Allez, sautez. Alors, les pots de peinture. Tiens, on joue au foot. Allez, non! C'était un mini-jeu. Rien derrière. On y est presque. On y est presque, Tess. Oh. Vous savez quoi? Je vais me mettre là. Comme ça. Je vais faire... ma miniature. Pour la vidéo. Eh oui, j'ai aucun respect, je fais ça en pleine vidéo. Comment ça marche? Oh! Ah! Ah, oh, c'est marrant. Bon, je vais arrêter mes âneries. Je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Ouais, c'est les trucs qui... Je suis contente que Marlène vous ait embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous paie pour ça, mais... Je voulais vous dire merci. Ouais, pas de problème. Je vais enlever quand même. Je sais plus, je voulais dire un truc. Ouais, il y aura quelques passages comme ça avec Ellie où on devra la transporter lorsqu'elle sait pas nager. Et d'ailleurs, je viens de vous spoiler parce que là, je pensais qu'on allait le faire maintenant, mais non. Donc c'est pas vraiment un spoil. Ah, le bateau avec un signe...
Sûrement pour les promenades comme les péniches et tout ça. C'est marrant, il y a des trucs dont je me rappelais pas trop. Par exemple, ce passage qui est vraiment super beau, je l'avais oublié. Toc toc. Oh. Non. Non, non. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas... Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où elle est. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Pensez que vous êtes là. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. Elle va se faire tuer là-bas. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Oh non. Je dis rien, mais... Moi, je me rappelais très bien de ça, par contre. Mais bon, je préfère rien dire pour pas spoiler. On a qu'à monter. Y a sûrement une sortie. Mais c'est vrai que c'est triste. Continue d'avancer. Neutralisée. Elle a descendu deux de mes hommes. Merci. Mince. Il y avait un escalier de l'autre côté. Mince. Ils vont pas tarder. On saura jamais ce qu'il y avait dedans. Tant pis. J'aime pas ces trucs-là. Il y avait un escalier sur la droite. Oh, ils arrivent. Vite. Pousse-toi, pousse-toi. On doit y aller. Go, go, go. Je perds trop de temps à analyser les environnements. Enfin, analyser, regarder plutôt. J'analyse l'environnement. Voir ce qui peut se passer. Allez, viens. Ellie, saute. Fais-moi confiance. Tu peux le faire.
Bien joué. Ok. J'ai vu que j'avais plus beaucoup de vie. Faudrait que j'en récupère vu que j'ai... Oh yeah! Il sera plus utile. Le fusil de chasse. Oh, je l'ai dit avant. Ouais, ce qui me manque, c'est juste la stabilité. Qu'est-ce oh. Joël! Je m'en occupe. Fais-moi confiance, Ellie. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais fouiller le coin. Toi, fouille le couloir. On s'en sortira. T'inquiète pas. Oh yeah! Putain! Hé hé hé, c'est marrant! Il y en a au-dessus, je crois. Allez, viens. J'en ai tué un avec les flammes. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais c'est surtout que ça m'amusait. J'avais envie de le faire cramer. Allez, viens. Ouais, je sais que tu m'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Oh mince! Je pensais que j'étais pas obligé de lui mettre un headshot. Oh, j'ai fait un peu le noob. Moi, je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de viser l'objet le plus précis au monde. Mais apparemment, si, pour eux, fallait que je fasse comme ça. Ok, ok, ok. You want to play with me? Ok. Tu m'as pas vu. Et moi, je sais où tu es. Eh non, j'ai appuyé. Allez, fight. Ready to rumble. Ok. Ok, viens, Ellie. C'est bon. Je te suis. Il y a intérêt. Oh, merde. Allez, viens. Oh, punaise, ils donnent pas de munitions, ces enfoirés. Y'a pas de munitions. Plus ces environnements là commencent à être un peu plus grands. Non, en fait ça va. Rien. Ah. Ah. Je vais pouvoir bientôt faire une amélioration d'aptitude. Ça sera cool. Bon, bah y avait. C'est toi qui as pris feu? Qui veut une saucisse cuite? Eh, pas mal, regardez les détails. Ouais, c'est du copier-coller. Mais c'est... Oh, c'est bien. Ok, bon. On a encore une pièce superbement bien détaillée. Très jolie. Ah ça, j'en avais besoin. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Joël, comment on va sortir? Ok. On va traverser cette salle. Oh oh. Reste baissé. Je sais pas combien ils sont. Ouais. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va se faire un petit cocktail. Un petit surin. Est-ce que là... Si t'es tout seul, je peux t'avoir encore. Oh. Mince. Ça va être juste. Est-ce qu'il y a celui de droite aussi? Je suis bloqué maintenant. Je suis bloqué. Tenez vos positions. Ok. Écoute, t'es pas obligé de faire ça. Ne tirez pas! Tire pas! Oh! Je t'ai raté! Attends! Bouge pas, je veux viser juste ta tête! Voilà, comme ça. Donne-moi ça. Oh punaise, c'est passé au-dessus de toi! J'ai un peu de mal à viser. Mais c'est pas grave, on est bourré! Je suis bourré! Poupou. Pousse-toi, Ellie. Oh.
Oh, tu l'as dit, sa tête, elle a percuté le canapé. Lui, il va mal se réveiller demain. S'il se réveille. Rien. Ah. Viens me voir. J'ai une balle pour toi dans ta tête qui t'attend. On va. Ah mince, bah il a lampe, espèce d'andouille, c'est pas des. Et de 1. On va jouer à un jeu. Jouer avec moi. Jouons ensemble à mon jeu. On va bien rigoler. Le truc bien flippant. Ça, c'est ce que j'aime faire dans les jeux multi, genre DayZ ou des trucs dans le genre. Suivre les gens, leur courir après et faire des voix comme ça. Je vais te tuer. Et je peux vous dire que même si c'est pour rire, ils le savent, et bah ça déstabilise. Moi, des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui faisaient ça. Mais après, t'as un stress, tu trembles. Et... Alors que c'est débile, mais c'est stressant. Ouais, t'es tout seul. Y arrive. What? Mais il est où? Non. Tiens, lui il avait plus beaucoup de vie. Oui, on a compris. Allez, viens. Headshot. C'est le même. J'ai plus de casque. Mais je suis vivant. Ouais, la sensibilité, le fait de l'avoir augmenté, j'arrive un petit peu mieux. Pouh. Les petites phases de gunfight comme ça. Toujours plaisant. Rien à ramasser. Ici. Rien. Rien. Et rien du tout. Ok. Bon. Ouais. Y'a rien là? Non. Bon bah salut le bâtiment. Voilà. Moi je me rappelle d'un autre bâtiment dans lequel on va rentrer après. Donc ça sera un peu chaud. D'après mes souvenirs avec Ellie. Il va y avoir plein d'ennemis encore. Mais un bâtiment beaucoup plus dévasté. Mais je sais plus ce que c'était. D'accord, il y a carrément le signe qui est là. Bon. Les endroits sombres. Ah cool. Bon, bah c'est reparti avec les infectés. Ah ouais. Ellie. Ellie. Je crois que Ellie adore jouer à cache-cache. Non, elle est juste là. On est dans la mouise. Il y a un soldat là-bas. 5h05. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Je me demande si ça sent bon. Tu les as vus? Non, y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je prends par ici. Regarde par là. Viens. Où est passé ce fumier? Je sais pas. Il est parti par là-bas. Ouais. Dans cette direction. Avant que l'autre arrive, dépêche-toi de mourir. C'était chaud. Non, c'est pas vrai. Mais ils sont pas là.
Ok. Oh punaise, c'est horrible. On voit rien. Ah, il y a un truc ici. C'est peut-être la suite du chemin. Ah, c'est... Non, c'est pas la sortie. Non. C'était l'autre entrée du métro. Où est-ce qu'il est parti, l'autre? Bon, tout de même, je pense qu'il doit rien voir comme moi. Mais... J'ai envie de te tuer quand même. Ah. D'accord. Je vois que tu préfères la jouer à la dure. Eh ouais. Je la joue à la dure. Bon là, si vous voyez pas grand chose, c'est normal. Je ne vois strictement rien non plus. Rien à ramasser ici. Continuons. Moi, je vois pas ce qui change d'un métro classique. Hein. C'est exactement les mêmes odeurs. Oula, oula, je suis bloqué. What? Léger bug. Ouais. Ouais. Ça, on le sait. On va trouver une solution. Y a rien? Non. Je cherche un truc à ramasser. Faut lui trouver un radeau. Ya ya oh. Faut lui trouver un petit radeau. Ouais. Je suis obligé. J'ai pas trop envie, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que je vais pas avoir le choix. Ah ouais, mince. Bon bah j'ai pas le choix. Quand on n'a pas le choix, eh bah on n'a pas le choix. Intelligent. Allez. Ah bah voilà. Mais pourquoi tu remontes? Y'a pas assez de profondeur pour toi? Là je vois carrément beaucoup mieux. Ouais, peut-être se dépêcher. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc là-dedans. Je suis sûr que je vais mourir si je me dépêche pas de remonter. Allez, on y retourne. Go! Non, j'ai dit go! Y'a pas un petit truc secret? Ouah, je nage sur le dos. Non, bah je crois que je dois monter maintenant. Ouais, je l'ai vu le truc, mais je voulais voir. Allez. Non. C'est quoi cette blague? Hé, hey, regarde, elle marche. Il y a une échelle. Qu'est-ce que tu fais là? On peut essayer ça. Quoi? Tu vas pas me laisser ici, hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Attendez. Ouais. Ah, il n'y a plus de pile. Voilà. J'ai pas compris. Comment t'es venu, Ellie?
Elle est venue par là? Je suis désolé, là, j'ai... Il y a un truc qui m'est passé complètement à côté. Devait y a... Ah, super. Pendentif, je vous montre... non, peut-être pas ça ici. Parce que normalement, je pense que je devais la récupérer. Allez, pourquoi il avance plus? Tiens-toi prête. Normalement, je devais la récupérer avec un truc pour la déplacer, ou alors... le fait que j'ai avancé trop vite, elle s'est téléportée. T'as trouvé quelque chose? C'est un cul-de-sac. Comment t'as... Ah, peut-être par là. C'est pareil que t'es passé, Ellie? Bon, je sais pas trop. Bon. Il va y avoir un truc plus loin. Parce que là, on a vu l'échelle. Est-ce que là-dedans, dans celui-là, tu peux... Ah ouais. Ah, je sais pas si tout ce que je fais, c'est des bonnes idées. Non. Vite. Allez. Il est pas très rapide, mais en même temps, j'ai jamais nagé dans un métro sous l'eau. Et là-bas, je peux peut-être passer. Mais je sais que le truc est derrière. Mais il faut que j'explore partout, sinon après la nuit je dors mal. Ah bah voilà, mince. Le micro marche toujours. Yo. Ouais, ça marche toujours. Parce que je donne des coups. C'est bizarre, je le voyais vraiment pas de loin. Fallait être sous l'eau pour le distinguer. Je me rappelle pas que c'était aussi vert que ça... sur PS3. Ils ont dû rajouter beaucoup plus d'effets de particules. Allez. Allez. C'est bon. Bon. Allez, dépêche-toi, j'ai froid. Allez. Ellie. Ellie. Ever. C'est bon. Cool. Enfin sur la terre ferme. Rien. Non, y a rien, Ellie, je t'ai dit. Ah, je croyais que c'était... Je croyais que c'était des mecs. Non. Ah, de la lumière. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais pas t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Et on se retrouve dans les bois. Regarde ça. C'est joli cet endroit aussi. Même si les bois, c'est pas le plus beau lieu du jeu. Waouh. Ouais, tu l'as dit. Rien, c'est juste que
J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. Avec les petits effets de soleil et tout. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Ouais. Ah. Avec encore et toujours une petite mélodie en fond. Mais des déchets que Joël adore, il collectionne les déchets. Salut toi. Tu parles à l'écureuil? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu l'écureuil. Bon, ça dure pas très longtemps les bois. Là, c'est déjà fini, je crois. Mais c'était le petit moment d'épaisement calme avec les petits animaux de la forêt. Histoire de se détendre avant la guerre. Eh merde. Va falloir trouver un autre chemin. Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Suis-moi. Regarde. Des lucioles. Enfin, de vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Ils sont bons, les doublages, en plus. Désolé, je me suis un peu emballé. Ne t'excuse pas. Je comprends. Je vais monter jeter un coup d'œil. Yeah. En plus, avec des lames au bout. Je crois que c'est cette arme-là qu'il faut pour les... Claqueur ou craqueur. Améliorer n'importe quelle arme de mêlée pour tuer vos ennemis d'un seul coup. D'accord. Ouais. T'as pas aimé ma chanson? Ouais. Hop. Wait. Wait. Non. Normalement, il y a une planche. Et avec cette... Ah, elle est là. Il est, je l'ai pas vu. Je me doutais qu'il y avait une planche. Mais je crois que c'est le niveau que j'avais fait lors du... Qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que c'est une planche. C'est le niveau que j'avais présenté pour le test du jeu. Donc si je dis pas de bêtises. Hop. Comme ça. Comme ça. Balèze. Et c'est parti. C'est parti mon kiki. À toi l'honneur. Ok. Ok, ok. C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Pas bête. Allons vérifier. Je veux pas me casser les jambes. Non, rien à fouiller. Là, c'est magnifique, encore une fois, je vais pas à chaque fois faire... Regardez, c'est beau. Mais c'est beau. Alors, regardez. Par ici. Et là. Regarde où tu vas, la chute est raide.
on est plus tranquille d'après mes souvenirs, ouais. Donc ce que l'on va faire, c'est s'en débarrasser. Oh merde. Le truc c'est qu'ils sont deux. Comment ? Oh merde. N'approche pas. Ouais. Non, normalement tu ne m'as pas repéré. Tu es aveugle, mon copain. Quand on est aveugle. Ah mais j'ai cassé les. Ah d'accord. Les pics qui se cassent du premier coup au bout de l'arme. C'est marrant, ces poubelles, je m'en rappelais pas moi. Mais il me suit. Il me suit ce. Ce Teletubbies. Allez. Attention. Allez, viens. Je sais que tu veux te battre. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Oula. T'es sûr que tu veux te battre. Normalement, ça m'indique en bleu quand je peux lancer mon truc. Non. Non. Voilà. Voilà. C'est parce que j'avais pas la bouteille dans les mains. Et j'attendais. C'est jamais arrivé. J'aurais pu attendre longtemps. Donc là, je peux passer par là. Non. Non, Joanne. Je peux passer par là, mais je crois qu'il y a un truc dans le bâtiment. Ouais. Bonjour. C'est le livreur de pizza. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle essaye de siffler. Je vais apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Tu sembles avoir un petit peu de mal. Donne-moi une seconde. Non. J'ai vu un truc, ouais. Alors. Récupérer. D'accord. Oh. À moi. Ah, j'avais pas vu. Et ça aussi, j'avais pas vu. Hop. Impeccable. Ah mince. Non, je me suis fait avoir. Et j'en ai 50. Alors. Ah, ça c'est pas mal, ça nous laisse une seconde chance, mais non. Non, non. Ça, ça peut être bien. Mais... Je sais pas. Ça, je pense que ça sera plus important par la suite. Voilà. J'avais dit que j'allais pas faire ça, j'avais dit que je ferais la stabilité, et je l'ai pas fait. Par ici. Comme d'habitude, je me contredis rien. Non. Je sais que c'est par là-bas. Pas à peine de nous prendre pour des idiots. Oh, merde. Wow. Et là, on va avoir encore... Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Une jolie vue dans la rue. Allez, vas-y. Fais-moi monter. Mais... Non, oh. C'est pas une bonne idée. Bah, je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir, sinon? Pas bête, hein. Allez, viens. Viens. Ok. Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Merci. Bien joué. GG. Ouais, c'est là le point de vue. Avec le soleil et tout, il y a rien de mieux. Bon, disons que ton pote nous file une voiture.
Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Oh, des nains! Ah, il y a plein de trucs. Je vais me faire plutôt un petit cocktail. Un deuxième. Hop. Hé, hey, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Des nains. Ouais, t'as vu? C'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Vous avez vu, je bouge le pot. Il y a l'ombre du pot qui bouge et tout. Bon, certains vont faire, c'est normal. Mais il y a beaucoup de jeux où c'est pas vraiment ça. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'elle parlait de la fée aussi. Bien, bien. On évolue lentement. Mais ça va encore. Ça va encore. Franchement, regardez ça. Je suis désolé. Comme ça, moi, je fais mes images en même temps. Je vous l'ai dit, je manque un petit peu de temps dernièrement. Mais là, c'est sublime. Je sais pas comment je vais faire. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je prends même pas d'image. Comme ça, après, je marquerai la longue route sur le côté. C'est dommage qu'il n'y ait pas Ellie à côté de nous. Alors, hop, je redésactive. Et là, je crois qu'il va y avoir une interaction avec Ellie. Ou alors c'est à côté, je sais plus. Ouais, je crois que c'est là. Regardez. Et écoutez. Oh, regardez-moi ça. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... c'était quoi déjà? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Et voilà, des petits trucs pas obligatoires. Mais toujours plaisant. Qui rajoute de l'immersion et de l'attachement au personnage. Sauf quand il vous bloque comme ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui rajoute un côté attachement. Est-ce qu'il y a un truc en haut? Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu au sol. Marche arrière. Et... normalement... oh, il y en a plein. Ça, c'est pour nous récompenser de fouiller vraiment les lieux de fond en comble. Ah non, c'est pas là, c'est après. Ça va? C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, punaise! Je sais pas si vous avez entendu, il y a de la foudre à fond qui est tombée juste à côté de chez moi. Parce que je crois que je vais devoir arrêter la vidéo plus tôt que prévu s'il y a de la foudre. Mais c'est, ça a éclairé toute la pièce. Oh oh. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Parce que j'ai pas envie de risquer de... Je vais attendre encore quelques secondes. Non, c'est par là. Je suis arrivé. Ça craint, là. C'est tombé à côté. Non. Ah, la combinaison. Où est-ce que t'es déjà, la combinaison? Puis je me rappelle. Parce que là, on a fouillé. On a fouillé. Évacuation obligatoire. Évacuer, ouais. Où ça?
À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Ça doit être dur, de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. Tu m'étonnes. C'est pas ça le plus dur. Où est le numéro ? C'était pas dans le coffre d'une voiture ? Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à Paris ? D'après ce que je sais, il est seul. Il a bricolé quoi ? J'ai pas vu. Ah, sûrement la palissade. Bon bah on va pouvoir continuer apparemment. Il y a eu juste un truc de foudre. On va savoir pourquoi. Ah ah ah. Note de Bob. Bob. Ouais. Donc là après, ça va se corser. Donc moi je veux le coffre. On ira aussi dans le bâtiment avant d'aller plus loin. Là, je sais plus ce qu'il y a dedans, toujours la même chose, a priori, des trucs pour les améliorations qui nous sont fortement utiles. Allez, viens, Ellie. Ne perdons pas de temps. On en a déjà perdu assez. Il y a une église au fond. Moi, j'adore ce jeu. Mais c'est vrai que c'était mieux quand même la première fois, la première expérience et la mieux toutes les surprises et... Oh, regarde-moi ça. Tu veux jouer? Je peux pas te parler là? Non. Youpi! Ah non, je peux pas lui parler, dommage. Là, je peux pas y aller. Ok. Ah, c'est triste quand même. Quoi ? Toute cette musique qui croupit ici. Y a plus personne pour l'écouter. Elle bouge vraiment les vinyles. Je sais pas, c'est tellement dommage. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ces choses-là, c'est... Comme les jeux, les vieux jeux et tout ça, y a plus... C'est énorme. LOL ! Il n'y a qu'un seul élément comme ça dans tout le jeu. Et ils ont fait le son et tout. Ouais, les vieux jeux, c'est pareil. C'est triste de savoir que... Enfin, il y a toujours des gens pour y jouer. Mais plein d'autres trucs comme ça. Ces satanés infectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour. D'accord. Punaise. On aura trouvé des trucs, hein. Voilà, pousse-toi. Non, j'ai dit, pousse-toi. Laisse-moi tranquille. Bon, normalement, on a exploré. Et voilà. Qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'était... un des pièges tendu par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote ? Oh, il a raison. J'imagine pas à quel point. Qui sait ce qu'il faut juste ? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Disons que... il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Et voilà. Sésame, ouvre-toi. Oh. Jackpot. C'est le jackpot pour Netto. Donne-moi tout. C'est tout. Donne-moi encore plus. Ah mais pareil, on pouvait voir un petit peu avec l'entrejour, l'ouverture. Et là... Non, je dis rien, je vais arrêter. Ça va vous découvrir pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Là, il y a le piège. Qu'est-ce que c'est ? Ça alors, Bill sait tirer à l'arc ? Faut croire que oui. Bill sait tout faire. Bill est imbattable. Il a marqué quoi ?
Non, non. J'ai dit... Marche pas sur l'échelle. Voilà. Donc go. Oh. Allez, allez, maintenez. Regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. D'accord, tiens. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Parfait. Là, par contre, ça règle la stabilité. Oh, punaise, pourquoi j'arrive pas à dire ce mot? La stabilité serait la bienvenue. Encore une fois. La voie est libre, monte. J'arrive. C'est super beau. Waouh. J'ai compris. Non, non. J'ai dit descendre. Descends. C'est l'énigme du siècle. Tiens, on va qu'à se servir de ça. Ah, il y avait peut-être un truc en bas. Bon, tant pis, j'ai ramassé le principal. Non, non, non. Ah si, il commence à... Ah oui, plus à fond chez moi. Ok. Donc l'orage devrait bientôt arriver. Ça m'arrange pas trop parce que si je voulais envoyer les vidéos... Donc, je fais encore des coupures d'électricité. Ah bah d'accord, j'ai plus internet. Ok. Bon bah j'ai plus d'internet, j'ai plus rien. Ouais, je crois qu'on va bientôt s'arrêter. Je voulais continuer encore un peu. Mais si c'est pour que j'ai une coupure d'électricité et que ça me perd l'audio, ça me perd la vidéo, ça me perd tout. Donc je vais poser cette planche. Comme ça. Je vais traverser. Et on fera ça dans quelques semaines pour moi. Et vous, ça changera pas grand chose normalement. Donc moi j'espère vraiment que cette longue route vous plaît. Moi je suis vraiment à fond là. Je suis super content de revivre cette aventure. Headshot. Putain Joël. Et ouais, je suis balèze. Balèze. Bon écoute. Y'en a pas un autre? Non, c'est bon. Bill, c'est plutôt... Le genre de gars instable. Bon, tu sais, ton échelle. Laisse-moi lui parler. Voilà. Tu vois? Compris. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... Psychopathe. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Donc voilà. Bon. Bah, rendez-vous pour l'épisode 3. Moi, je suis vraiment à fond dedans, même si je parle pas beaucoup, c'est... Bah, je suis à fond. C'est pas un jeu... C'est pas un jeu drôle. Enfin, il y a des passages rigolos, mais c'est pas un jeu des plus fun. Mais c'est pour ça également qu'on l'aime, mais en longue route, peut-être que c'est plus drôle d'avoir des jeux rigolos. Mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à plus tard, tout le monde. Et à la prochaine. Salut!